École maternelle des Coquelicots. Dernier après-midi d'école à Souffel, avant les grandes vacances. Aujourd'hui, pas d'apprentissage, on s'amuse dans la cour. Ils sentent que c'est le dernier jour, que c'est les vacances et ils ont envie de profiter au maximum avant de s'en aller. De s'en aller où, d'ailleurs, les enfants? Je vais au parc Astérix. Je vais au Maroc. Je vais aller voir papy à Château Salam. Moi, je vais en vacances au Maroc. Je vais en vacances en Espagne. À la Bretagne. On va aller à l'hôtel de l'Allemagne, on va parler allemand et on va aller dans une piscine. Chez les copains du tilleul, même ambiance. Les enfants jouent dans la cour un peu plus que d'habitude. Ils font du vélo, bac à sable, brouette, jeux de ballon, etc. Tous ces petits jeux quoi, qu'ils ont l'occasion de faire dans l'année, mais pas forcément tout le temps. On se prépare un petit peu aux vacances, on se met déjà un petit peu dans l'ambiance. Voilà. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, monsieur Biotois à l'appareil, le directeur de la maternelle des tilleuls à Souffel. À l'intérieur, c'est plus sérieux, car il faut bien déjà préparer la rentrée prochaine. On est le 7 juillet et puis on continue à faire l'administratif. On prépare la rentrée scolaire déjà depuis déjà presque un mois et la nouvelle promotion, les petits, les spectacles, les sorties scolaires, les commandes. Je prépare la commande pour l'année prochaine pour pouvoir faire de la peinture, des gommettes, de quoi occuper les enfants et puis rentrer dans l'école dès le premier jour. En attendant, l'heure approche. Vélos et trottinettes retournent au garage. Chacun récupère encore son gobelet personnalisé. Les parents arrivent. Il est temps de dire au revoir aux enseignants. Les enfants y comptent beaucoup et puisqu'elle n'est pas dans cette école l'année prochaine, alors ça fera toujours plaisir d'avoir un souvenir de ces 6 mois passés ensemble avec la petite. Voilà. Et nous on quitte l'école en plus, donc c'est d'autant plus particulier. On change de commune et on a passé de très belles années ici. Au revoir Théo. Sur le perron de l'école, un dernier coucou au directeur. C'est parti pour 8 semaines de vacances.